هذه اللحظة ديال توقيع الاتفاقية اللي غتم بين وكالة التحدي الألفية وبين جامعة محمد السادس المتعددة التقنيات بابن قرير، بالإضافة إلى فاعلين آخرين تقنيين يشتغلون على هذا المجال المعلوماتي، وهو أحد المشاريع الأربعة التي نشتغل معها في وزارة الشغل والإدماج المهني مع وكالة التحدي الألفية إن شاء الله، اللي هو منصة رقمية ضخمة تعتمد على المعلومات الضخمة البيج داتا والذكاء الصناعي من أجل توفير معلومة دقيقة محينة مستوعبة لجميع المناحي ديال سوق الشغل إن شاء الله، اللي غتخلي بلادنا فعلا والمهتمين بسوق الشغل عموما في بلادنا، سواء تعلق الأمر بالشركاء الاجتماعيين أو الاقتصاديين اللي عندهم علاقة مباشرة بسوق الشغل، أو تعلق الأمر بالمستثمرين الأجانب أو غيرهم مما تهمهم المعلومة المتعلقة بسوق الشغل الوطني، غنستطيع إن شاء الله نوفر لهم معلومة محينة، معلومة دقيقة، معلومة يعني بشكل مستمر حول سوق الشغل، هذا فعلا غيكون عنده تبعات وغتكون عنده آثار إيجابية على اتخاذ قرارات دقيقة متعلقة بسوق الشغل والتوقعات على كل حال متعلقة بسوق الشغل ومعرفة القطاعات التي تشغل أكثر القطاعات التي تطور فيها التشغيل بشكل من الأشكال التي تحتاج إلى الدعم من أجل تطويرها أكثر إلى غير ذلك. على كل حال المعلومة ستكون دقيقة حول سوق الشغل إن شاء الله بعد إرساء هذه المنصة. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ce partenariat pour le développement d'une plateforme digitale sur les marchés du travail, qui est une innovation très importante au Maroc. Cela fait partie de notre investissement de 450 millions de dollars dans deux projets structurels, à savoir le projet gouvernance du foncier et le projet d'éducation et formation professionnelle pour l'employabilité. Cette plateforme digitale basée sur le big data et l'intelligence artificielle aidera les décideurs politiques, les employeurs et des demandeurs de l'emploi à s'assurer que les jeunes Marocains vont avoir les skills pour répondre aux exigences des employeurs d'aujourd'hui, du 21e siècle. Et nous espérons que cette plateforme continuera à garantir que les jeunes Marocains peuvent trouver du travail et peuvent contribuer à la croissance économique de leur famille et du pays. Nous sommes là aujourd'hui pour signer un accord de partenariat pour le lancement d'une plateforme digitale autour de l'emploi. C'est une plateforme qui est basée sur le big data, sur l'intelligence artificielle, pour mieux apparier la demande et l'offre. Donc c'est une plateforme qui va être développée par des compétences marocaines, qui a comme premier souci la pérennisation de cette plateforme-là après la période d'exécution et de réalisation. L'Université Mohamed VI Polytechnique est très honorée par la confiance qui lui a été placée pour la réalisation de ce projet ô combien important pour le Maroc. Ravi aujourd'hui d'avoir signé l'accord de partenariat entre MCA Maroc et l'Université UMCSP de Ben Gurion. C'est un accord pour le développement d'une plateforme digitale basée sur l'intelligence artificielle et sur le big data qui va s'occuper de soutenir l'Observatoire national de l'emploi et donc rendre disponibles des données à temps et synthétiser pour aider les demandeurs d'emploi, les chercheurs, les offreurs d'emploi aussi, les entrepreneurs, les investisseurs, mais aussi le gouvernement pour développer des politiques de l'emploi. Donc, Inch'Allah, on met énormément d'espoir pour pouvoir rendre la donnée disponible, mais une donnée qui est vraiment très utile. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.